Merci. Un maximum de bruit pour ce premier battle, s'il vous plaît. Donc voilà, tout ce qui commence par un câlin finit par un. Voilà, pour ceux qui ne savent pas, maintenant vous savez ce qu'on dit après. Tout ce qui finit par un câlin finit par un. Alors jury, ça fait 3, 2, 1, câlin. Bravo. Donc là je suis censé donner le micro au jury, c'est ça? Super, franchement super.
j'ai plus envie de dire du bien de, par rapport à ta performance, parce que j'ai le privilège d'accompagner ton progrès, ton évolution. Et il y a des endroits que je t'ai vu aujourd'hui que j'ai pas l'habitude de voir. Un Théo qui se pose sur la musique, qui a une présence même avec peu de mouvements et qui a une technicité très très contrôlée, millimétrée. C'est important à préciser que c'est un travail de ouf, ça. Tu es devenu vraiment très très fort. Et pour moi, la claque que Elsa t'a mis aujourd'hui, même si je pourrais aussi parler de ses lacunes, pour moi, c'est que avec sa danse, elle nous invite à ressentir sa vibe. Et j'ai besoin de voir plus ça de ta part. Parce que sinon, je vais sentir que t'es une machine ultra carrée. Et il y a un côté humain, autant que danse de club aussi, qu'on a besoin d'affirmer. Et je pense que ça viendra avec le temps, si ça t'intéresse. Mais en tout cas, techniquement, je pense que tu n'as rien à te reprocher. Pour moi, le truc, c'est que je te connais, je connais ta danse. Et ce que j'ai pas vu, c'est que tu étais trop sharp et du coup ça t'a desservi. Et contrairement à Elsa, qui elle, comme dit Philippe, Elsa nous a plus amené dans le truc, elle était plus sur le moment et c'était plus global. Alors que toi, si je puis dire, tu étais trop sharp, il n'y avait pas assez pour moi, il n'y avait pas assez de respiration et il n'y avait pas assez de globalité dans ton corps. Et tu étais moins dans le moment, je trouve. Voilà, c'est mon point de vue. Donc je crois, moi, c'est le méchant entre ces deux. Oui, j'ai voté pour lui. Déjà, je vais dire que le blédarisme est un art. Donc du coup, voilà, mon français, ça va être un petit peu compliqué pour dire des trucs. Donc du coup, si je dis des trucs bizarres un petit peu, sachez que je sais parler que français. C'est mon français, ok? Donc le prenez pas mal. C'est ça ce que je veux dire, ok? Donc voilà, moi j'ai voté pour Théo. Et pourquoi? Parce que j'ai trouvé que techniquement elle était au-dessus que Elzax. Et pour Elzax, pourquoi j'ai pas voté pour elle? Parce qu'elle était dans son monde, oui, j'aime bien. Mais techniquement, il avait des trucs techniques à elle et tout. Mais je sais pas, moi j'ai vu qu'elle s'est arrêtée trois fois. Elle sortait elle n'était pas dans la continuité. Donc à un moment, elle se pose, elle arrête, elle part encore, elle reprend encore. Et du coup, moi, ça m'a dérangé un petit peu. Et moi, j'ai trouvé que lui, il était en mode plus battle que toi. Toi, tu étais en performance, j'aime bien. Mais lui, il était en mode battle. Mais l'inconvénient, je crois, j'ai un petit inconvénient pour toi, c'est que tu as dansé face juge. Les deux passages, la plupart du temps, tu dansais face juge et ça joue mal parfois. Du coup, c'est pour ça que je comprends mes collègues. Okay. Merci beaucoup. Franchement, dédicace à LMX7 parce que vraiment le débrief après le battle, ça fait des petits moments intenses comme ça là, vraiment magnifique.